On a passé un très bon moment. Moi, je dis merci à lui. Voilà. Donc, et puis, bah, moi, je vais être un tout petit peu plus loquace parce que c'est vrai qu'on a passé, on a eu un XO, tous les deux excellents. Si on l'a eu, c'est grâce à Guillaume parce qu'il s'investit énormément. Vous ne le connaissez peut-être pas tous beaucoup, mais nous, on le connaît depuis un petit moment maintenant. C'est un vrai pro. Alors, je crois que s'il y en avait qu'un qui croyait en Fanfan, c'était lui. Et vous avez vu tout à l'heure, encore une fois, qu'il a eu raison. Ça a été un bonheur, c'est un autre bonheur parce que l'aventure, pour moi, elle va se terminer. On va partir avec Fanfan sur d'autres objectifs. Je voulais remercier Guillaume pour ce qu'il est, pour ce qu'il... Guillaume, vous avez le droit de me regarder ? Oui. Pas vous, si vous pouvez faire un trou, là. Guillaume, c'est quelqu'un qui, moi, je le connais bien parce que ça fait 2 ans quand même qu'on se fréquente régulièrement. C'est quelqu'un qui est hyper pudique, mais moi, j'ai appris il n'y a pas très longtemps, Guillaume, et vous le savez, que la vie, elle est très courte et qu'on ne tient pas à grand-chose, quelquefois. Et que quand on a quelque chose à dire, il faut le dire au moment où on a le temps. Après, il est trop tard. Tout à fait. J'ai apprécié tous vos conseils, tous les moments qu'on a passés tous les deux, toutes nos discussions. On passera encore. Oui. Oui, peut-être, oui. Je ne sais pas. Toutes nos discussions. Vous m'avez demandé de m'ouvrir, parce que j'avais la première parole que vous m'avez dite sur Fanfan, c'est « il est associable ». Je vous aurais connu comme je vous connais aujourd'hui, je vous aurais dit comme sa maîtresse. Osez-vous le dire pour ne pas vous faire peur. J'ai fait des rencontres grâce à vous, magnifiques. Et puis vous avez juste écrit un beau chapitre de ma vie. Ça me fait plaisir. Et pour tout ça, merci. Merci à vous. Et pour ce qui est bien de vous. Et juste, j'ai juste oublié de vous dire, quand on est sorti du XO et qu'on a eu tous les deux excellents, ce qui était touchant, c'était son bonheur à lui. Parce que nous, c'est une passion, lui, c'est son travail. Bah, je lisais sur Facebook il n'y a pas très longtemps, Christine a dû le voir sur certains. Bon, il y a certaines personnes qui pensent que les pros ils sont là que pour prendre de l'argent, mais il faut savoir que c'est une passion. C'est que moi je m'investis à fond avec les chiens. Si je devais gagner de l'argent, je ferais autre chose. Voilà. Donc c'est une passion avant tout, et vivre de sa passion, c'est. J'en connais pas qui s'enrichisse. Hein. Quand on vit de sa passion, bah, on s'investit 2 fois plus. Quand on aime ce qu'on fait, voilà. Donc après, les résultats, ils dépendent aussi des personnes aussi, qui, des maîtres. Hein. Donc quand ils s'investissent, les maîtres, bah, y a des résultats aussi. Donc on pourra dire que Luc et Sylvie se sont vraiment énormément investis, et les résultats, ils sont là. C'était un travail aussi. C'était pas gagné. C'était pas évident, voilà. On y est arrivé. On y arrive toujours, hein, de toute façon. Mais le prochain qui passe son XO, il donne des somnifères à Guillaume la veille, hein, pour qu'il dorme, hein, parce qu'il dort pas beaucoup. Hein. Il dort beaucoup moins bien que les maîtres. Hein. Ça dépend, parce que lui, qu'il n'avait pas dormi non plus. Hein, donc, moi, c'est habituel. D'ailleurs, Fabienne et Jean-Luc... Ah oui, si, il y a une chose importante. On ne le signale jamais assez. On a des souvenirs maintenant, parce qu'on a Jean-Luc qui a toujours sa caméra. D'ailleurs, il est bien. Et c'est quelqu'un qui nous fait des beaux souvenirs, parce que les souvenirs, quand la vie est beaucoup plus dure, on les a. Alors merci à toi, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se rendent compte. Et c'est vraiment merci beaucoup aussi à toi. Merci Jean-Luc. Merci à vous. Un petit rayon de soleil. Petit c'est gentil. Qui a failli se faire manger aujourd'hui. Ouais. Très beau. Et on pourra dire que Fanfan, il revient de loin aussi. Ouais. Parce que quand il est arrivé, c'était compliqué, voilà. C'est... Oui, on n'aurait jamais pensé qu'il y ait un XO un jour. Je crois que c'est... Moi, ah si. Oui, non, mais attendez, j'ai encore va te oublié, mettre à parce côté. Que moi, je suis inépuisable de monde. J'aime beaucoup attribuer des petits noms comme ça aux gens. Alors, j'ai mon petit cœur sur patte qui est là, parce que la petite dame en rouge, là, c'est mon petit cœur sur patte. Et puis, quand j'ai rencontré Guillaume, au bout de 6 mois, j'ai dit, lui, c'est un magicien.
Donc c'est mon magicien, parce qu'il est à moi, forcément. Mais vraiment, ayez confiance en lui, c'est un vrai bonheur, c'est un vrai partage, c'est tellement de belles choses, on rencontre tellement peu de gens qui sont prêts à donner dans la vie en ce moment. Alors on a tous la passion des chiens, bien sûr, hein, qu'est-ce que vous m'avez dit un jour? Seul, on ne peut pas y arriver. Voilà, donc on n'est pas seul à y être arrivé. On est arrivé tous les deux grâce à lui, hein, parce qu'on est bon quand même avec lui, et grâce à lui. Parce que lui, quand même, c'est le meilleur. Ouais. Enfin, attention, s'il y a les chevilles qui vont gonfler bientôt. Hein. Non, mais il faut qu'il en profite. Parce c'est déjà qu'on a fait. C'est déjà fait. On a deux caractères de cochon. Parce que ça, on a deux caractères de cochon, tous les deux. Ah, ben, je suis pas évident, hein, mais bon. Oui, pas moi non plus. Hein. Qui c'est qui m'envoie des textos avec un cochon dessus? Hein? C'est pas moi? Voilà. Non, après, si je suis exigeant, c'est parce qu'il y a une raison. Voilà. C'est que dans la vie, je suis quelqu'un d'assez réservé. De... Oui, c'est mais, pour ça qu'il est à l'aise. Après, voilà. Non mais voilà, après c'est, il faut de la rigueur, il faut tout ça, voilà. Après ça n'empêche pas que, bien sûr, j'aime tous les chiens qui sont ici, j'aime voilà, les gens, je m'investis toujours à fond. Et puis, des fois c'est vrai que je suis un petit peu exigeant, je suis un petit peu plus. Mais bon, vous êtes carrément chiant. Voilà, résultat. Vous êtes un homme aussi, c'est un peu normal. Ah oui. Je vous adore. Voilà, bah allez-y, servez-vous. Alors tu fais dans le service, oui, toi. Oui, je fais le service. Parce que t'es docteur, mais t'es malade. Ah oui, parce qu'on a un docteur malade quand même. Ça fait pas mieux tomber. Bon, Sylvie, qu'est-ce que tu fais? Ah bah comme d'habitude, hein. Mais en perfusion, moi seulement, tu sais bien. Ouais, je veux bien coca. Non mais je pense que approchez-vous et servez-vous. Merci Christine. Avancez-vous. D'être là, ça me fait du bien aussi. Voilà. Merci à tous. Avancez-vous. Mika aussi. Mika, c'est un moment. Notre petit Mika. Non, c'est qu'on était arrivé un peu à terme. Voilà. Et puis à Black qui progresse, il va progresser. Allez, y'a. Prends la verre de chat. Avec du blanc, s'il te plaît. Allez, un OXO. Félicitations. Merci. Ah oui, c'est parce qu'il y a la caméra. Je te donnais pour toi. J'ai pas tout compris. Non, mais voilà. Ah oui, il a donné.